vous définissez comme groupe? Bah, c'est effectivement de la chanson française. Après, on se promène quand même au niveau des chansons. On n'aime pas trop rester dans le même carcan. Donc c'est vrai qu'on se promène aussi sur des trucs pop, rock, même des fois avec des petites connotations hip-hop. On aime bien. C'est en fonction de nos influences. Hein. Comme on est quatre, forcément les influences sont multiples. Et du coup, on passe autant d'une chanson toute simple, dénudée, avec un texte, une guitare, qu'à des choses un petit peu plus enlevées. Alors je lis. Héloïse, Anna, Magdeleine, Lucie, La Disgrâce. Vous êtes quand même un groupe très branché, femmes. Eh bien, en fait, on est un groupe très branché femmes sur cet album. Parce qu'en fait, au départ, il y avait une vingtaine de chansons. Et puis après, il a fallu en choisir 12, 13, comme ça se fait souvent. Hein. On coupe dans la masse. Et après, on s'est rendu compte, là, il n'y a que des prénoms de filles, quoi. Et après, on a réfléchi et tout. Et puis, du coup, après, on a décidé d'enfoncer le clou, en fait, par rapport à ça. Et effectivement, cet album, il y a eu une volonté d'aller un petit peu explorer le mythe féminin. Mais c'est autant. Anna, c'est une femme qui travaille à l'usine, qui est seule à élever ses gamins, donc c'est un personnage social. Après, vous allez avoir Magdalène qui vient de mourir et qui laisse son compagnon seul. Enfin, c'est différents visages. On va même jusqu'à Lucie, qui est la première femme de l'humanité. Mais c'est aussi, donc, c'est par rapport à nos compagnes, par rapport aux femmes qui nous entourent, mais c'est aussi, je pense, par rapport à notre propre féminité qu'on a eu envie d'aller explorer sur cet album. Alors, c'est masculinité, féminité, mon cœur balance, ou alors c'était vraiment aujourd'hui dire, vous ressentez quelque chose de fort autour de ça? Voilà, c'est surtout ça, c'est qu'on trouve qu'on est dans une période au niveau de nos rôles sociaux et affectifs en tant qu'hommes et femmes, on trouve que c'est particulièrement flou quand même, notre génération. Enfin, moi qui suis père et tout, en plus, c'est vraiment flou, quoi. Donc on avait vraiment envie d'aller titiller dans ce coin-là et d'aller se poser des questions, quoi. C'est pas. Alors c'est vrai que c'est bateau de dire que dans chaque homme, il y a une part de féminité, mais donc forcément, si je suis le fils de mon père et de ma mère, forcément, je vais avoir des gènes masculins et féminins. Voilà, mais c'est vrai qu'on avait envie de travailler ça, quoi. Poser un regard si tendre sur le monde, déposer une plainte contre les bondeurs de monde, une requête pour un miracle à Lourdes, un paratonnerre pour nous protéger de la foudre d'imposer. Un pas de deux, un pas de trente, toutes les cinq ficelles pour avoir de l'espérance, pour pas qu'on te le vole. Tu as posé un verrou, t'as juste fait ça au cas où. Ma chemise de l'ouragan dans ma grande voile. Héloïse, love me. Vous avez annoncé tout à l'heure que c'était l'avant-dernier concert. Oui, on finit la tournée là. Il reste encore une date à Boulogne-sur-Mer et puis après c'est. On passe à autre chose. On a commencé déjà à s'enfermer dans notre bunker à Grenoble pour composer des nouvelles chansons. Il y en a 10 qui sont quasiment prêtes, enfin, des maquettes. Donc voilà, parce que le premier album, Le Temps de Dirouf, comme tous les premiers albums signés en maison de disques, ça se fait sur la longueur, quoi. Et là, on avait hâte de. C'est des chansons qu'on a quand même depuis déjà 3-4 ans, et on avait hâte de composer des nouveaux titres. Est-ce que vous vivez la notoriété? Parce que passer dans une maison de disques, c'est quand même avoir un circuit de diffusion très important. Comment vous vivez ça, ce passage en maison de disques, et maintenant la production qui s'enchaîne? Alors, objectivement, la notoriété, on l'a pas encore. Hein, ça, c'est une réalité. On a ce qu'on appelle un groupe en développement. Alors, on a fait quand même beaucoup. On a fait une soixantaine de dates là. Donc, ça nous a permis d'implanter un petit peu notre nom. Puis, on a fait beaucoup de premières parties avec Pauline Croze, avec Michel Fugain. Donc, ça nous a permis d'installer un petit peu le nom. La notoriété, c'est pas parce qu'on est en maison de disque que la notoriété vient. Hein, comme vous pouvez le voir, ça prend du temps. Après, le fait d'être produit, c'est sûr que ça nous a permis déjà d'en vivre. On en vit depuis moins d'un an là. Avant, on avait tous des jobs à mi-temps, etc. J'ai une formation d'éducateur à la base. Donc, ça fait pas longtemps qu'on vide notre musique. C'est tout récent. Mais quand prendra-t-il le temps? Quand prendra-t-il le temps? On sent beaucoup quand même sur la scène, à la fois beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité, et puis quand même beaucoup d'amour, mais d'amour positif.
Il y a quelque chose de l'ordre d'envie de donner, d'écouter, de chercher. Vous parlez à un moment de chercher. Il y a le côté humaniste, je pense, qui nous obsède dans ce style. Voilà, c'est vraiment notre. Quels que soient tous les albums qu'on va faire et les albums qu'on fait, même si celui-là il est plus tourné vers la femme et la féminité, il y a une obsession de l'humanisme. Et qui dit humanisme dit amour, et pas au-delà des notions de couple, des notions amoureuses, quoi, effectivement, où ça se rapproche même, effectivement, à un moment donné, de quelque chose de spirituel et quasiment ça va frôler avec le mystique. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse, quoi, l'être humain, autrui, l'autre. En tout cas, nous, on a beaucoup d'espoir en l'être humain. On n'est pas, on déteste. Je pense que les autres, je les appelle les poulets. Hein, mais ils s'appellent les poulets là. Ils seraient d'accord avec moi, c'est que on a du mal avec le cynisme, avec ce genre de choses. On n'aime pas. J'ai passé le cap hors pour te dire les sillons que tu laisses quand tu prends ta machine. Ce n'est vraiment pas celle qui explore le temps, mais celle qui pousse l'homme à rentrer en dedans de lui-même pour mieux qu'il s'écorche. Petite vie blessée par de grandes amies, croche tes balles traque jusqu'au sang. Et ta machine à faire des morts frappe toujours à temps. Mais laisse-moi venir en tant que. Le sac de lumière au bout de bras, en tant que. Et de la noirceur, je t'en dispense, en tant que. Un peu de soleil, tu dois l'apporter en tant que. Avec un peu de soleil pour toi. Si je vous dis chanson française, vous avez tout de suite. Quel mot vous vient en tête? Brel Reggiani. C'est vraiment les deux mots, tout de suite Barbara. Donc c'est vrai que c'est classique, mais. Et puis, un des derniers concerts que j'ai vu l'année dernière, c'était. C'est ça les concerts, on appelle ça des spectacles vivants, et ça porte bien ce nom-là, son nom, ça porte bien son nom. C'est. J'ai vu Moustaki. Moi j'écoutais ça quand j'étais. Mes parents écoutaient ça quand j'étais gamin et tout. Et je fais ce papy là, qui. Il marche de petits pas d'un instrument à un autre, et pendant 2 heures, c'était à Voiron, là, à côté de Grenoble, et je suis sorti, j'étais rempli. Voilà, vous voyez, ça me remplit, quoi. C'est me remplit de vie, d'amour, enfin, des choses. Ça me fait vivre encore pour 2 mois, quoi. Voilà. C'est ça qui me plaît dans ce métier. Alors, dans cette langue, le français, si je vous disais, il y a deux mots, un que vous détestez et un que vous adorez. Et ben voilà, alors le mot que je déteste, c'est cynisme, hein, et le mot que j'adore, c'est enthousiasme. Voilà, c'est vraiment deux formes complètement opposées, je pense. Juste une petite question avant de terminer. Pourquoi Staël? Alors ça, c'est bizarre parce que vous êtes le premier à la poser à la fin de l'interview, parce qu'en général c'est celle qui vient au début. On a choisi Staël au départ, on avait le souci de faire de la musique élégante, voilà. Et on s'est dit, bah Staël, ça correspondait bien dans la police, dans la prononciation, dans l'écriture, ouais, c'était élégant. Et puis après on est allé un peu farfouiller parce que les gens nous disent, c'est un rapport avec Madame de Staël, c'est un rapport avec Nicolas de Staël. On est allé voir Nicolas de Staël, on connaissait de loin et on s'est retrouvé dans ses peintures. On a retrouvé notre musique dans ses peintures, c'était incroyable.
une encyclopédie pour tout classer bien à l'abri de la sur un moment se cache-t-il dans le placage qui s'accélère dès que tu t'approches de ma bouche. Faut que je reprenne de l'air tout juste avant que tu me touches. On a un cri de guerre à page et les coins dont l'on se cache bien au chaleur. On met un sacre, le cœur encore muse, des châteaux forts de solitude, la presqu'île. Coupé, coupé du monde, les chevaux qui s'accélèrent, dès que tu t'approches de ma bouche, faut que je reprenne de l'air, tout juste avant que tu me touches. Chevaux qui s'accélèrent, dès que tu t'approches de ma bouche, faut que je reprenne de l'air. Juste avant que tu me touches. Juste avant que tu me touches. Alors tu prends l'aspirateur, tu n'arroses plus.